bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur A Way Out et c'est un jeu qui se joue à deux. Et forcément, deuxième joueur à qui j'ai pensé, vous me voyez très souvent le soir avec Alfouille, Tulip, Bloody et d'autres personnes, Domingo, Gigi, mais non. Là, je me suis dit, ça fait trop longtemps, ça fait beaucoup trop longtemps, et avec qui je peux m'échapper de prison? Quelqu'un que je connais à la perfection, quelqu'un avec qui on a affronté une menace zombie, quelqu'un avec qui on a survécu à la fin du monde dans divers let's play. Je parle évidemment de Dark Funeral 972. Oh, la voix, la voix, le divin. Ça va mon fufu? Bah ça va super bien et toi? Mais mec, ça fait tellement longtemps, putain on se retrouve, hey. Non seulement on va se retrouver en prison déjà. Franchement, voilà. On aurait pu se retrouver dans un endroit un petit peu plus accueillant. Voilà. C'est vrai. Ouais, mais gros, tu passeras entre devant. Entre ça et l'apocalypse zombie, franchement, j'ai déjà été mieux reçu. Hein. Tu passeras devant, il y a pas de souci. Mais hey, tu sais quoi? Moi, je te propose un truc. Je te propose qu'on s'évade de prison. On va s'évader de prison. Et je te propose un autre truc. Je te propose que tu te coupes pas les petites pattes que t'as sur le côté des oreilles et que tu sois le mec le plus dégueulasse du monde qui sort de prison. Mais donc, tu peux me couper les pattes? Non. Non, non, tu peux pas te couper les pattes. Justement, je veux pas que tu les coupes. Je veux que t'aies les pattes les plus dégueulasses du millénaire. Je veux qu'on dise, regardez, cet homme s'est évadé de prison. Regardez ses pattes monstrueuses. C'est terrible. Ses pattes, mais c'est le nez, gros. Allez, je vais t'inviter, mon fufu. Donc, les gars, vous l'aurez compris, je suis avec El Funeralos, comme on dit dans le milieu. Et tout le jeu ne se joue qu'en coop, on ne peut pas jouer solo, on ne peut pas jouer à 3, tout se joue forcément à 2. L'avantage c'est que si vous achetez le jeu et que votre pote n'a pas la thune ou autre, vous pouvez quand même jouer avec lui, ça c'est méga cool. En ligne. Et le but c'est sortir de prison, survivre à l'extérieur de la prison et à l'intérieur de la prison. Allez, on est parti pour le premier épisode, ça va être très très long de sortir de prison avec lui, je vous le dis. Mais non gros, hey, Remember the Escapist qu'on avait fait ensemble. Ah oui, oui, c'est vrai, on avait fait Escapist 2 ensemble. N'oubliez pas un max de j'aime, un max de commentaires, parce que ça fait plaisir. Nous voici dans un avion, que va-t-il se passer? Eh ben on en a aucune idée, c'est parti. What's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. D'accord, choix du personnage. Oh là là, oh là là, oh là là. Je vais à gauche. Hein. Non, 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 gros. Ouais, là. Hors de question que je prenne Léo Caruso. Les dents, mais gros, t'as mis la gueule que t'as, frère, la gueule que tu tapes. Toi, en prison, tu vas prendre ce que tu mérites de toute façon. Hein. T'as fait que t'es allé en prison, pourquoi Alors, écoute, moi, c'est compliqué. Faut savoir que j'ai fait plusieurs crimes. Déjà, j'ai été fraudeur. J'ai fait des détournements de fonds. Bon, et j'ai dû tuer malheureusement. Donc, meurtre, fraude, détournement de fonds. J'ai 43 ans. Eh les gars, je commence à avoir de l'arthrose. Ça va être terrible. Mais on va essayer. Peine, je dois purger une peine de 14 ans de prison. Personnalité, je suis un gars rationnel, discipliné, réservé. Voilà, c'est tout pas moi. C'est tout pas moi, tout simplement. Et biographie, son diplôme de finance en poche. Vincent s'est marié à sa petite amie de lycée, puis a trouvé un emploi. Dans la banque. La perspective d'argent facile a fait voler sa vie en éclats lorsqu'il est entré dans le monde du crime organisé. En même temps, c'est un petit peu les bons plans quand tu bosses dans une banque, c'est comment ça marche. Hein. À toi, dis-nous un petit peu, Léo Caruso. Bah écoute, bah, le classique, j'ai envie de lui donner un accent du sud, là. Bah, ça va pas du tout avec sa gueule. Un petit vol à main armée, petite agression, vol aggravé. Un petit peu un taulier, tu vois, j'ai fait à peine 6 mois sur 8 ans de prison. En tout cas, je suis un sanguin, je suis sarcastique. Et je suis sûr de moi. T'es sûr de toi, ouais. J'ai grandi dans un orphelinat et très rapidement de tourner vers le crime parce que franchement, voilà, l'orphelinat c'est un peu chiant. L'orphelinat ça me casse les couilles, je préfère tuer des gens. Je préfère tuer des gens. Non, je préfère voler. Voilà, Il voulait. Pareil, toi t'as eu des problèmes de Mars, mais moi c'est pareil, voilà. Et c'est lors du vol d'un célèbre diamant que tout a mal tourné. Bah sûrement avec toi, hein, je pense. Ah non, peut-être pas. Non, c'est vrai, on se connaît pas. Voilà, et je dois maintenant m'évader de prison et arranger les choses pour son fils, sa femme et lui-même, voilà. Et ben voilà, allez, on est prêt. On est ready. Bienvenue dans ce premier épisode, évidemment. Direction, bah direction la prison, je pense, hein. On a des gilets pare-balles. Ah. Par quelqu'un d'éclairé. «
gates. Oh là, d'accord. Et ton perso, c'est le genre du grenier. Ah mais je vois ta vue. Ouais, et je vois la tienne. D'accord, donc moi je dois sortir du bus. Moi, eh, accueille-moi gros au moins. Attends, j'arrive. C'est la famille, on a fait connaissance dans l'avion. Yo les gars, ça va ou quoi? T'as même pas rigolé à ma blague, Joseph Phare. T'as dit quoi? Mec, t'es poivre. Voilà, j'arrive. J'ai dit Joseph Phare, quelqu'un d'éclairé. J'avais même pas. Tu l'as dit quand? Tu l'as dit quand? Bah juste avant le tout premier générique. Moi je me suis dit, le mec il a senti la bidée, il s'est muté, tu vois. Bah oui, c'est ça. Je me suis dit, j'ai bidé. Mec. Et moi j'étais en train de pleurer de rire comme un connard, muté. Ok, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Et ton personnage, c'est genre du grenier, petite chemise hawaïenne là. Gros, eh, tan 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 tan. Regarde la caméra. Tan 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 tan. Alors les gars, aujourd'hui, on va tester Tintin au Tibet. Mais en prison, vous allez voir, c'est plus drôle. Oh mec, je peux parler à un gars? Attends. Hey, are you okay? What do you want? Bah de toute façon, tu vois tout ce que je vois. Ouais. Hey, hey frère, sois fort. Stay strong. Voilà, je te comprends, je suis dans la même merde. You think I'm a pussy, huh? Well, you're wrong if you do. Bah moi, il passe le meilleur jour de sa vie. I fuck him up real good. Got that? On peut faire des choix et tout. Gros, je vais m'embrouiller déjà, je crois. Ah ouais gros, le gars je l'encourage, il m'a dit ouais tu crois que je suis une fiotte. Il peut montrer que ça va durer. Ah là il y a tellement de trucs à suivre. Attends, fais en or parce qu'on veut pas qu'il y a des gens qui me regardent. Ouais. Moi je tentais de regarder ce que tu fais en même temps. Bah oui je sais, mais c'est pour ça, moi aussi j'ai envie de voir ce que tu fais. Attends, tu t'en sortiras. Tu sais quoi sur cette prison? Eh, je demande déjà des infos. Attends. Balance! Tu sais, le mec qui commence à mettre des patates. Bah, l'enculé! Tu sais, il est même pas sorti du bus, il met déjà des patates. Balance, putain! C'était la pire connerie de ma vie. La pire connerie. Ok. Bah, écoute, moi je vais parler au taulier là. Vas-y, oh là, monsieur moustache, sergent moustache quoi. Ok, on me vérifie aussi gros. Hein. On écarte les bras, allez. On desserre les fesses, les gars. Hey, pourquoi il fouille pas mon nez, gros? J'ai pu lâcher une lime là-dedans là. Oh, le matin. T'es pas gros. Gros, tu lâches une prison. T'as une prison dans ton zen. Ok. Mec, attends, j'ai une lime. C'est tellement stylé. Hey, guard. Hey, tu peux cacher un gun dans de... Sérieux? Attends, mec, je dois poster. Sure, take all the time you need. Non, mais j'ai dit, tu peux cacher un gun dans ton nez, tu viens de me dire sérieux. C'est tout ce dont j'avais besoin. Ok, j'ai signé, gros. J'arrive. Et moi, je suis toujours pas en taule, hein. Toi, t'as l'habitude. Ouais. Toi, t'as encore ton petit gilet en cuir. Bah, gros, moi, hey, moi, personne me fouille. Les mecs, ils ont pas l'air méga chaud. Gilet, hein. Yo, frérot, je crois que je suis pas loin de toi, hein. Bah, ah, je suis juste là, regarde. Mec, t'es où? Hey, au-dessus. Ah, ça beau gosse. Et ouais, toi beau gosse. Ouais, je vais passer à la fouille anale, gros, hein. Vas-y, on se rejoint à la fouille nasale. Attends, bah toi, ça te met 2 heures. Ok. D'accord, je dois me déshabiller. Bon, bah c'est la fin, hein. C'est la fin du costume. Oh là, je vais m'agresser. You two, break it up. Non, ça va, ça va, ok. Un chauffe barbu, tous les chauffes barbus, c'est des méchants. Ouais, mais il est baraque, hein. La vérité, il est baraque de ouf. Oui. Par contre, je lui ai dit d'aller se faire foutre. Oh, ça va faire bizarre de suivre tous les écrans. Mec, c'est énorme en tout cas. Attends, je vais attendre, j'ai envie de te voir nu. Je t'attends ici, hein. Yo, regarde. Oh là là. Oh, je suis gosse. Oh là, et j'ai hâte de me faire laver, hein. Je vais prendre ce que je mérite, hein. Je peux pas écarter. Oh là là, écarte les fesses, vas-y. Plus bas. Eh, hey, rigole pas, t'y es passé aussi, toi. Plus bas, les gars, j'ai. Plus bas, j'ai, les gars. Moi, il y a 6 mois, j'ai le temps. Je suis un peu sale. Je suis un peu sale. Oh, on va la bite. Non. Elle est... Si, si, on a vu la bite. Ah, faudra que tu masques, hein. YouTube, il va te flaguer, mon gars. Non, non, je vais flipper. Je te jure, on voit la bite, on a vu la bite. Il est lourd. Mais arrête de dire le mot bite. Ah, merde, c'est vrai. Je vais me faire des mots d'isimé, con, ce gamin. Elle met des bips. Attends, j'ai de voir. Il a jamais vu le pénis de sa vie, celui-là. What? Non, mais dans un jeu vidéo, non. Oh, ouais. Ah, t'es beau, je suis au-dessus de toi, hein. Si tu regardes. Regarde, tu veux voir la vue plongeante? Tu peux, hein.
Non mec, trop bien. Attends, je vais prendre ce que je mérite. Je vais me faire éduquer. Vas-y, crache dessus gros, aide-moi. My name is Williams. On s'est pas d'appoil. My prison. Any questions? Yeah. When are we allowed mec, tu peux faire un truc, hein. Crie pour voir. Rien à faire, appuie sur toutes les touches. X. Ah, X c'est pour m'adosser. Ah d'accord. Ah, je peux te viser. Quoi? C'était gratuit. Non, ça va, c'est pas moi. C'est pas toi. Ouais, ça va, c'est rien. Toi, t'es à droite. Mec, il a mal pour l'autre, Ça va, c'est rien. Oh, il a pris ce qu'il mérite, hein. Ah d'accord, bienvenue en prison et... J'ai hâte de prendre la matraque, hein. Bon, allez, j'y vais, les gars. Ouais, elle est très sympa cette prison, hein. Un peu cosy, mais franchement... Oh, c'est Blackgate le bordel, c'est quoi cette prison? On manque de rien, les gars, hein. Oh là, et lui, il fait du yoga. Mec, c'est comme lui. Meditation, man. Et toi, t'es en train de l'embrouiller? Ouais, tu fais quoi, connard? T'as pas l'air très libre. Ouais. La petite vanne. Attends, moi je continue de monter. T'as quel étage, mec? Premier ou deuxième? Bah, le dernier. Je pense qu'on va se croiser là. Ah ouais. Ah non, non, il m'a mis au deuxième, mec. Ah bah, je suis là. Ah, tu m'as vu? Oui. Ok, nickel. Attends, j'annule, j'arrive. Attends, je m'habille, gros, ça te gêne pas? Non, reste nu, gros. Oh. Hey, relax. Ah, je suis assis à côté. Go. Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Gros, ton nez, il est en prison il y a 5 minutes déjà. Hey, ça rappelle la pub pour les mouchoirs, tu sais. Ah ouais, putain. T'es né avec des pieds. Leo, what? Someone wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. He's over there. That's all I know. Viens vers moi, bébé. Hein. On va discuter, non joke. Alors, LT, point d'intérêt. Donc, pour l'instant, c'est dirigé. Mais après, les gars, on va devoir nous-mêmes chercher comment on s'évade. De quelle manière? Et est-ce qu'on on s'évade ensemble ou non, hein? Je pense qu'il n'y a pas le choix là-dessus. Hein. T'es où, frérot? Tu viens? Je suis sur un banc. Qu'est-ce qu'il fait derrière, là, les gars? Tu me vois ou pas? Je suis ouais, là. Ça va, ça va. Voilà, là où il y a la salle. Ah! Oh merde! J'arrive! Let me go! Ok, j'arrive. Oh, lâche-le! Alors, fais tout! J'arrive! Il fait trop de mal à lui! Oh, lâchez-le! Là, l'escalier! J'arrive! Tu me vois derrière ou pas? Là, je suis en cinématique, mais je te vois courir. Vas-y, là! Wow! Oh, c'est un pote! Juste regarde, gros, ça ne gêne pas. Personne ne laisse pas. Non, mon nez! Il va me casser le nez! Oh non, ça va, t'as de la marge. J'arrive! Hey, ça va, gros, j'arrive dans l'arène, gros! Go, Dragon Man, kill him! Huh? Take him down! You idiot! Come on, motherfucker! Ok, Fufu! Fufu, on va devoir se battre, hein! Ok, d'accord, ok, donc c'est X, très bien! Ah, c'est toi là! Ah, toi, tu te tapes pas? Y? Ah putain, non, mais. Ah, c'est du QTE! C'est un cinématique là, mon pote! Ok, déchire tout, hein, je l'ai enculé! Ouais, bah, vas-y, je déchire tout! Vas-y! Enculé! Bam, bien joué! Oh là, t'es un monstre! Attends, je m'occupe de lui, gros! Vas-y! Hop! C'est QTE! Voilà! C'est du QTE, les gars! Quoi? Ok, esquive! Patate! Toi aussi, t'es en QTE, là? Non! En fait, c'est chacun son tour. Parce que je voulais le battre à côté. Ah là, je suis en QTE, par contre! Alors? Mec, tu l'as maîtrisé d'où? Oh, esquive! Bien joué! T'as été le meilleur! Oh, la claque! Ça, c'est une claque de forain, ça! Hein. Oh, t'es prêt, on va se faire un truc en duo, toi et moi. Ok. Oula! Ça va. Oula, il s'est pris pour Jean-Claude Van Damme, gros. Ça va qu'on a le droit de se tromper de touche en vrai. Oh, mec! Oh là là! On se fait des passes. Ça nous rappelle à l'ancienne. Vas-y, mets-lui ce qu'il mérite. On les a lavés, bien joué. Bien joué, Fufu. Bon, on a toujours pas fait connaissance, on sait toujours pas comment on s'appelle, mais. Mais on sait aider. Bah, t'es 3, t'es 3, 4, 6, 5. Je retiens ton drapeau. Tu retiendras mon code barre. Order! Break it up before I put you all in solitary. Go on! You better watch your back. Oh là, il veut me violer. Keep moving. Yeah, yeah.
Stay the hell away from me, okay? Ada, c'est ça l'amitié pour toi? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Reste loin de moi, je t'ai dit. Ça me fait mal, Fufu, hein. Encore un coup de... Déjà, premier coup de couteau dans le dos, posé de la part d'un ami. Super, hein. GG mentalité, hein. Entre ça et l'épée de Destiny, je sais pas quoi dire. Et là, Fufu, je vais arrêter de jouer avec toi, hein. Je viens l'aider, gros, il me dit t'approches pas de moi, bon, coup dur. Ouais, mais c'est parce que je suis le caïd. Alright. Horrible. Next. Ça a l'air grave fort, en vrai. T'as une gueule, frère. Mais je crois que c'est la gueule du développeur en plus, hein. Oui, oui, je crois. Et franchement, je suis sûr qu'il fait. Le héros, il prend un rail de coke, c'est 4 kilos de farine. Hein. Ça va lui coûter une merde. Hein. How about okay, you two lovebirds have a moment. Chat somewhere else? I want to eat. Hey, is someone talking? No. I don't hear anyone. J'essaye de suivre ta conversation. Putain, va y avoir une conversation, je le sens. Non, c'est bon. Ils veulent pas que je mange là, ces bâtards. Ah, ils veulent pas? Tu veux que je vienne ou quoi? Guys, attends, je te vois à gauche. Hungry, okay? Ooh, we got a tough guy over here. Sure attends, like j'essaie de voir si je peux venir. What are you gonna do about it, Ringo? Attends, je laisse mon repas, this? J'arrive. Oh, oh bien joué. Hey, alright, shit. J'arrive. Man, relax. Hey, touche le pas. Okay, tu me vois ou pas? Je suis là. Non. Oh, hey, mais Vivu, il est con ce gamin. Bah, je crois que tu peux rien faire. Continue de manger, gros. Non, hors de question. J'arrive. T'es un ami, putain. Ok. Je vais prendre un plateau. J'ai pas le choix. Plateau. Vas-y, tu poseras en face de moi. Yeah, what do you think this is? What a goddamn restaurant. Oh là, j'ai une pomme. Fais gaffe, y'a un mec qui vient sur toi. Oh là, il casse sur un. J'arrive. Oh, touche pas Fufu. Oh, même touche si pas même pas, moi je l'aime, putain. Touche pas au mec qui touche Fufu. Mais attends, mais quelle prison. Oh, il a pris ce mérite. On l'a lavé. Oh, ça c'était cadeau. Ah. Fufu, on fait quoi? Take this. Bah écoute, attrape-le. Bah attends, je peux rien faire. Ah, bien joué à lui, il a été meilleur. I'll kill you. Ok. Oh, recule. Recule, 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 recule. Attends, y'a un back. Allez, ça dégage. Come on. Ah d'accord. Recule encore, hein. Faut jeter les backs. Non, c'est pas ça, back. Voilà. Bloque-lui le chemin. Juste une casserole dans la gueule. Casse-toi. Oh là là, il n'arrive pas à monter sur la poubelle. Casse-toi. Oh, hey, je vais jeter toute la cuisine. Moi aussi. Oh putain, on pense qu'on mérite là. On se fait la main. On est. Mais ils en ont mis du temps quand même, hein. Yeah, come on. Voilà. Come on, what do you want? Who wants to die first? You? Yeah, come on. Die. Les mecs, ils sont retraités. Mais tu es. Wow. Je me tire dessus. Oh là. Ah, faut le transférer lui, il est trop violent. Faut le tuer. Non mais tirez dessus, ils ont non, pas de tâche. Il a tué là, 3 coups de couteau dans le cœur. Non mais tu es le chauve. Bah oui, non mais elle est totalement dingue cette prison. Je veux sortir. Coucou, oh, je vais peut-être rester un petit peu plus. Shit. I hate those things. Don't you have worse things to worry about in here? Just be careful. You'll be all right. Just lay down and rest for a while. Yeah, thanks. Hey, I'm Leo. Vincent. Listen, thanks. Don't mention it. I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry, not interested.
know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait, 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 wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, I'll help you. Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Yeah. Alors attends, bouge pas, je vais modifier la résolution. Hop, petit problème, j'ai vu pendant les cinématiques. Okay. Allez, c'est bon, on est pas mal, on est pas mal. Là, c'est beaucoup mieux. Je peux continuer de parler. Donc, je dois faire quoi, excuse-moi. J'avoue, j'ai pas trop suivi parce qu'en fait, ça laguait. J'ai essayé de modifier dans les paramètres. Donc, il s'est dit quoi concrètement? En gros, faut que tu me couvres pendant que je vais chercher l'outil qui est là-bas, en fait. Ok, donc l'outil qui est derrière, donc je suppose de lui, là. Là, juste là, là. Non, de moi, là. Là, là où je regarde. Ok. Faut pas qu'elle te voie, donc faut que je m'occupe d'infirmière. Bouge pas, je l'appelle. Prends ton temps surtout. Hein. Je vais lui mettre ce qu'elle mérite. Hein. Voilà, j'ai rien dit, j'ai vu ça. Hey, tu l'as exorcisé ou quoi là? Elle a plus d'âme. Ok. De l'eau, demande-lui de l'eau. Ouais, c'est ce que je vais faire. Sore throat. Can I have some water, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que si le verre d'eau il est là où il y a le tournevis. Thanks. Vas-y, sors, hein. Bombarde. Hein. Allez, c'est pour toi, je te fais confiance. Hein. Aidez-le. Putain, c'est tellement stylé ça, par contre. I need to wait for that guy. Here you go. Ok. I hope I'm not bothering you. Of course not. It's my job. Pas du tout, c'est mon boulot. Ok, je fais encore diversion. So, Oui, oui, j'avance. Regarde. Paf, tu m'entends? Ouais. J'ai fait tomber un verre. Shit, Vincent needs to do something about that guard. Something wrong? No, nothing's wrong. Merde. Ça, c'est dur de suivre deux actions en même temps. Hein. Drape à la vitre. It's hot. Look what you made me do. Putain, je sais plus quoi faire. Vas-y, hein, pète à ça, hop. Bien joué, ouh, mec. Oh, mec, c'est chaud. Captain is gonna kill me. Oh, mec, on est des monstres. Oh là là, infiltre. Ah, il doit aller au bathroom. Ouais, moi aussi, des fois, je vais au bathroom. Attends, t'allonger. Attends. Ok, vas-y. Me demande si j'ai besoin d'autre chose. Là, je fais quoi? J'ai vraiment faim, j'ai mal. Vas-y, pour qu'elle m'examine, vas-y. Il me faut un truc pour la douleur. Ah merde, je pensais pas ça. J'ai une grosse migraine, difficile à dire. Allongé. GG, gros. Oh là, les sous-titres, ils ont... Ouais, je te jure, même les sous-titres, ils étaient là en mode, les gars. Bien joué, mec. Voilà, GG, travail d'équipe. On a été monstrueux. On a été les meilleurs, je dirais même. Oh là, il a pas d'œil, Solid Snake. Hey, what are you up to? Nothing. Let's move. Yeah, sure. Attends, il l'a mis où? J'espère que c'est vraiment bien planqué hein, pour pas qu'on se fasse. Faut le voir. Ouais, faut le voir, mais. Ouais. So, what's your plan? Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. Look. I appreciate what you did back there, but you need to back off. Hey. What? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle it myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there?
You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey, then? The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. Yeah. It's my plan, and I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. I mean it, man. You fuck this up, I'll kill you myself. Yeah, I get it. So what's your plan? You'll know soon enough. Pas mal du tout ça. Ah, ça fait un beau début là. Ça donne envie de voir un petit peu comment on va devoir se démerder. Je rappelle que normalement, si j'ai bien compris, Fufu, à moins que je dise des bêtises, c'est pas scripté après, hein, on est bien d'accord. Il me semble qu'on peut choisir nos façons de s'évader. On a la façon de s'évader. Il y a un fil rouge, mais on choisit de quelle façon on veut le faire. Exactement. You had an idea. I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out together. Yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. I don't know about that saving my ass part. But I'll give you this. It did help out. A little bit. Vincent. A little bit. Right. Ouais, on est des amis, mais pas trop, bah, tu vois. Par contre, tu sens qu'on a partagé quand même pas mal de trucs. Ouais, bah on verra bien, là. A little bit. Vincent, Fred. A little bit. Got him in the oh. I'll be right back, guys. What's up, Leo? I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. Hey, Fred. What's up? Good. What do you want? Got a couple of workers here. Need to change the scenery. Sorry. We're full. I'm sure we could figure something out, right? Guess we could use a few extra hands around here. Leo, hurry up. We don't have all day. We're waiting right here. Hey, see up there? Yeah. We need to get up there somehow. All right. Et on va totalement s'arrêter ici. C'était le premier épisode, j'ai appuyé sur start, y a pas de souci là-dessus, ça met rien en pause de toute façon. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi de te retrouver mon Fufu, bah pour s'évader de prison. Suite
suite demain, après-demain, très bientôt, avec l'épisode 2. Fufu, un petit mot à dire ou pas? J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Ah, c'était lourd. Je me doutais que t'avais un truc à caser sur la fin, c'était terrible. Merci ouais. à tous d'avoir suivi cet épisode et ce début de Let's Play. A très bientôt pour la suite de nos aventures, où on s'échappera toujours de cette prison. Bisous tout le monde, ciao ciao. Bye.